Avec nous sur place ou virtuellement sur la chaîne YouTube. Je me présente Louise Demers, directrice et vice-rectrice associée aux études supérieures et postdoctorales. Bienvenue à la compétition interne de l'Université de Montréal du concours Sciences Pop. Le concours Sciences Pop est une initiative de l'Institut de recherche clinique de Montréal qui vise à éveiller la curiosité scientifique au sein de la population québécoise. Pour le public, c'est une occasion de mieux comprendre la recherche en santé. Et pour la relève étudiante, c'est une occasion de mettre à l'épreuve leurs compétences en communication scientifique.
Le concours s'adresse aux étudiantes et étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat. Le concours Sciences Pop se décline en plusieurs défis. Ce matin, la compétition porte sur le défi valorisation. Les candidates et candidats doivent miser sur leur fibre journalistique pour faire briller leur projet de recherche en soulignant les aspects novateurs et les retombées. Leur défi consiste à convaincre un public non averti de la pertinence de leurs travaux. Les candidates et candidats seront notés sur 60 points répartis de la façon suivante. 20 points pour un communiqué de presse que les membres du jury ont eu l'occasion de lire. 20 points pour leur présentation de type pitch. 5 points pour le support visuel. 10 points pour la période de questions et 5 points d'appréciation générale. La personne qui remportera le prix du jury représentera l'Université de Montréal à la grande finale québécoise organisée par l'Institut de recherche clinique de Montréal les 27 et 28 mai prochains. Il y a aussi un prix du public auquel vous serez tout à l'heure invité à participer en grand nombre. En termes de déroulement, chaque personne participante dispose de 2 minutes 120 secondes pour faire son pitch et n'a droit qu'à une seule diapositive ou un seul accessoire. Un décompte sera visible et il y aura un signal sonore lorsque les 2 minutes seront écoulées. Ensuite, une période de 5 minutes maximum seront allouées pour répondre aux questions des membres du jury ou du public. Les présentations seront enregistrées, mais ne seront disponibles qu'après la finale provinciale. Alors, je tiens à remercier chaleureusement les membres du jury d'avoir accepté de participer à cette compétition. Je vous les présente à l'instant. Madame Béatrice Leroux-Saint-Cyr, rédactrice pour U2M Nouvelles. Monsieur Michel Morin, représentant du public et chargé de projet à l'Université de Montréal. Madame Ludmila Rosemiret, directrice du développement philanthropique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Madame Caroline Apollon, spécialiste en développement de partenariats et aussi directrice du développement philanthropique Affaires institutionnelles. Madame Caroline Renaud, également représentante du public, n'a pu se joindre à nous ce matin en raison de problèmes de santé et on la remercie du travail qu'elle a déjà accompli pour la lecture des résumés de presse. Alors, sans plus tarder, je vous invite à faire connaissance avec les candidates et candidats du défi valorisation du concours Sciences Pop pour l'Université de Montréal. La première candidate est Mme Clara Zian, étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique. Le titre de sa présentation est « La musique au service de la marche ». Samedi, je suis allée écouter du jazz et d'un coup, mon corps s'est mis à bouger au rythme de la musique. Je suis certaine que c'est déjà arrivé à la plupart d'entre vous. Si c'est le cas, vous le savez déjà. La musique, ou plutôt le rythme, peut prendre le contrôle de vos mouvements. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce super pouvoir de la musique s'étend jusque dans votre cerveau. Habituellement, notre cerveau est un vrai chef d'orchestre quand il s'agit de contrôler nos mouvements. Mais en vieillissant, il peut lui arriver de rater un temps. Lorsqu'on marche, on a besoin d'être parfaitement coordonné. Et les petits ratés du cerveau vont nous déstabiliser. Ainsi, des millions de personnes âgées à travers le monde éprouvent des difficultés à marcher. Cela impacte leur autonomie, leur bien-être et augmente le risque de chute. Pour nos services de santé publique, le bilan est catastrophique, car les troubles de la marche coûtent cher. Mais vous l'aurez compris, le rythme est la solution. Seulement, il y a un bémol. Pour que le rythme puisse s'emparer de votre cerveau et vous aider à marcher, il faut tout de même l'avoir dans la peau. Si vous n'arrivez pas à bouger au rythme de la musique, le rythme pourrait embrouiller votre cerveau, ce qui serait néfaste pour la marche. Mais c'est là que j'entre en jeu. Dans mon laboratoire, je pose plein de petits capteurs sur la tête de volontaires afin de comprendre ce qu'il se passe dans leur cerveau quand ils marchent avec et sans rythme. Bon, c'est un vrai fouillis ce qu'il se passe dans le cerveau quand on marche. Mais j'ai réussi à développer une méthode qui permet d'extraire de mes enregistrements l'activité du cerveau qui agit sous l'emprise de la musique.
Grâce à cette avancée, je vais pouvoir comprendre si on peut modifier l'activité des personnes âgées qui ne répondent pas bien à la musique. Si mes hypothèses sont justes, un petit entraînement rythmique de 6 semaines pourrait rendre votre cerveau plus réceptif. Si j'ai raison, on pourra bientôt soigner la marge de millions de personnes dans le monde entier grâce à une thérapie gratuite et plutôt efficace. Mesdames et messieurs, le vrai super pouvoir de la musique réside dans sa capacité à non seulement pouvoir soulager nos services de santé, mais également à contribuer à réduire les inégalités face à l'accès aux soins dans le monde entier. Merci. Merci, Madame Ziane. J'invite maintenant les membres du jury et les personnes dans la salle qui le souhaitent à poser des questions. Bonjour, Michel Morin. J'aimerais savoir un peu, donc, vous présenter votre projet. Super, c'était très bien. Est-ce qu'il y a des partenaires? Quelque chose qui n'a pas été abordé? Je voudrais juste savoir un peu, là, vous parlez de votre laboratoire et tout ça, mais j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations s'il y a du partenariat. Oui, bien sûr. Les partenaires, donc on a des partenaires évidemment d'abord financiers, puisque cette recherche est financée par les fonds de recherche du Québec, puis le CRSNG et la faculté de médecine. Puis évidemment, il y a tous les partenaires qui sont les participants, qui participent à nos recherches. Donc actuellement, on a beaucoup fait de tests sur les adultes jeunes en santé pour pouvoir mettre le protocole en place. Donc ce sont nos partenaires actuellement. Mais évidemment, toutes les personnes âgées qui vont se rajouter au projet vont être des partenaires également. Puis on a des partenaires, non seulement j'ai un deuxième laboratoire où les jeux rythmiques sur tablette ont été développés. C'est l'entraînement que vont faire les personnes âgées. Et donc ce serait également un partenaire. Salut Clara, Béatrice pour Edem Nouvelle. Vous nous avez parlé de l'entraînement rythmique et là, vous avez mentionné le jeu vidéo. Est-ce que c'est ça qu'on parle, quand on parle d'un entraînement rythmique de 6 semaines? Oui. Okay. En fait, on veut pouvoir... ce jeu rythmique-là a montré des effets bénéfiques sur les capacités rythmiques des patients atteints de la Parkinson. Donc, on espère que sur des personnes âgées en santé qui ont peut-être aussi des déficits sur les capacités rythmiques, que ce jeu sera également efficace comme ça l'a été chez les patients. Puis ce qui est chouette avec ce jeu, c'est il a déjà été validé, etc. Puis les personnes âgées en santé ont déjà dit qu'elles appréciaient ce jeu, qu'elles aimaient bien y jouer. Donc ça, c'est déjà un bon point. Puis ça veut dire qu'on peut améliorer la marche par une activité qui est non motrice. Puis sans clinicien présent, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Donc nous, on fournit les tablettes aux participants. Et ça veut dire, par exemple, en contexte de pandémie, où les gens ne pouvaient pas forcément se rendre dans les hôpitaux ou en clinique, qu'ils peuvent quand même avoir un suivi, quelque chose qui peut les aider à aller mieux, à marcher mieux, en restant chez soi à la maison et sans bouger s'il y a des incapacités de la marche qui sont trop fortes pour permettre de bouger ou, dans ce cas, faire du tapping sur une tablette. Caroline Apollon, j'ai une petite question par rapport aux jeux rythmiques. Est-ce que ce sont des jeux personnalisés qui tiennent compte du background ethnique, de la préférence du type de musique de la personne? Parce que je pense par exemple à ma tante, et puis elle a vraiment un type de musique qu'elle aime, puis comment vous pourriez vous adapter à ces différences-là? Très bonne question. Le jeu a été adapté pour des enfants, par exemple, puisqu'il y a eu des études chez les enfants. Donc là, c'était certain qu'il fallait modifier le jeu pour que ce soit plus attractif pour des enfants. Pour la version adulte, actuellement, il y a une version, mais il y a beaucoup de niveaux avec beaucoup de musiques différentes. Puis, en fait, quand on monte dans les niveaux, il faut que le rythme devienne plus complexe. Donc nécessairement, ça va changer le type de musique qui va être présenté aux individus. Mais actuellement, il y a une version pour les adultes pour ce jeu. Mais je suis tout à fait d'accord, notamment chez les personnes âgées qui ont peut-être une culture musicale qui est différente, que différentes musiques ne vont pas forcément être les plus appropriées. Et on sait bien pour la marche que le choix de la musique va avoir beaucoup d'importance sur le rétablissement moteur, puisqu'il y a des aspects évidemment de motivation, etc., qui rentrent en jeu également avec ce type de thérapie. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, merci. Madame Ziane. Merci. Alors, notre deuxième candidat est M. Guillaume Blot, postdoctorant en biochimie
au département de médecine moléculaire et ophtalmologie. Le titre de sa présentation est « Bloquer le vieillissement en maîtrisant la lecture de l'ADN ». Imaginez l'ADN comme un manuel d'instruction écrit par Mère Nature d'un million de pages. Ce manuel, elle pourrait l'avoir intitulé quelque chose comme « Rester en vie puis autres affaires importantes ». Ce manuel, il serait composé que de quatre lettres, A, T, G, C. Ces lettres ou nucléotides s'assemblent en phrases qui s'appellent les gènes et qui vont guider la cellule dans leur fonctionnement. Lorsque la cellule va lire ces gènes, elle va être capable de fonctionner. Mais certaines instructions doivent lui être cachées, sinon elles seraient néfastes pour le fonctionnement du corps. Au fil des années, nous vieillissons et certains passages normalement censurés deviennent accessibles. Et à notre laboratoire, nous avons montré que des cellules immunitaires innées, appelées phagocytes mononucléés, sont également capables de se remémorer des stress passés comme une infection ou une obésité, alors même que l'infection a été vaincue ou qu'un poids santé a été retrouvé. Ce mécanisme, on appelle ça la mémoire épigénétique. En quelque sorte, c'est comme si ces phagocytes mononucléés étaient capables de continuer à lire des passages qui devraient leur être censurés. Moi, je suis Guillaume Blot, et en tant que chercheur postdoctoral, je travaille sous la supervision du professeur Sapia pour bloquer la lecture de ces gènes problématiques. Si nous réussissons, nous pourrions limiter le développement des maladies liées au vieillissement ou carrément empêcher leur développement totalement. Au sein de notre laboratoire, nous cherchons à non pas limiter les conséquences du vieillissement, mais bien directement développer un nouveau type de médicament qui va cibler la mémoire épigénétique. Cela permettrait de limiter la charge du système de santé, mais surtout d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes à travers le monde. Et puis je dois reconnaître d'un point de vue plus personnel, dans 5 jours je vais avoir 30 ans. Et avec les exigences du parcours académique, je me rends compte que je n'ai pas tant profité de mes 20 ans. Mais avec ce traitement, j'ai bon espoir de rattraper le temps perdu. Merci beaucoup, Monsieur Blot. Merci. Alors, les questions maintenant. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Je me demande, tu nous parles de remodelage épigénétique. À quel moment de la vie est-ce qu'on ferait ce genre de remodelage-là si le but, c'est de peut-être ralentir un peu le vieillissement? Alors, le remodelage, en fait, c'est un processus qui va arriver de toute manière au fur et à mesure du temps qu'on vieillit. Et on se rend compte que lorsque ce remodelage est devenu trop important, que trop de régions qui normalement devraient être censurées sont exposées, on va avoir des gènes néfastes qui vont venir être exprimés. Donc nous, on travaille présentement sur des modèles, on montre que si on bloque ça, on bloque ce remodelage, en fait on empêche la lecture de ces gènes, on va limiter l'apparition des maladies liées au vieillissement. Alors on ne sait pas exactement à quelle étape. Présentement, on n'a pas encore vu d'effet indésirable de le bloquer plus tôt. On sait que quand on le bloque alors que les maladies sont apparues, on va diminuer leur gravité. Maintenant, la prochaine étape, ce serait de voir est-ce qu'on peut le faire avant que ces maladies apparaissent. De toute manière, on va tous vieillir. On va tous finalement avoir une condition liée à la vieillesse, probablement si on a la chance de vivre assez vieux. Donc, peut-être que le plus tôt serait le mieux, et notamment sur les risques qui vont en fait accélérer le vieillissement. J'ai parlé d'obésité, d'infection, mais en fait ça pourrait être plein de facteurs différents environnementaux qu'on ne peut pas maîtriser, et donc diminuer au maximum notre rythme de vieillissement, ça serait intéressant pour retarder au maximum ces maladies liées au vieillissement. Par curiosité, je suis pas du tout une scientifique, mais votre échantillon, il est de combien? Où est-ce que vous allez identifier les personnes? Est-ce que c'est de différentes cultures, de différents états de santé? Et c'est combien l'échantillon, juste par curiosité? Alors, présentement, moi, je suis étudiant au département d'ophtalmologie. Donc, on s'intéresse tout d'abord à une maladie. Notre première étude, ça va être sur une maladie qui touche les personnes âgées, qui induit la perte de vision. Ça s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, notre but, c'est de recruter en fait les patients qui viennent à l'hôpital dans lequel je travaille, donc l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui ont cette pathologie, et puis de vérifier que sur ces personnes-là, on est capable de voir les marqueurs
qu'on a dans nos modèles expérimentaux. Et donc, à partir de ces patients-là, qui donc, représentent la population diverse de l'Est de l'île de Montréal, on pourrait commencer à avoir une première idée. Mais évidemment, après, ce serait intéressant de voir si c'est la même chose chez une population plus générale. Quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette modification épigénétique, c'est extrêmement conservé. Et en fait, on remarque que c'est vrai chez les humains, c'est vrai chez les souris, mais c'est aussi vrai chez des animaux qui sont extrêmement différents de l'homme. Donc, on a de bonnes chances que ça touche toutes les personnes de toute origine ethnique différente, par exemple. Pour faire suite à ce que tu disais, justement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, tu viens de parler des communautés ethniques. Est-ce que c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les communautés ou c'est plus présent dans certaines communautés et moins dans d'autres? Puis l'autre question, est-ce que c'est systématiquement lié à l'âge ou c'est pas systématiquement lié à l'âge? Donc, pour répondre à la fin, est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est systématiquement liée à l'âge? Non, mais c'est le facteur de risque principal. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on va avoir de risque de la contracter. Il y a des personnes qui la contractent plus tôt que d'autres, et d'autres personnes qui ne vont pas la contracter du tout. Et on a justement vu que des stress préliminaires dans notre vie, comme une infection, une obésité, ça peut contribuer à augmenter le risque de développer ça. Est-ce que toutes les personnes souffrent autant de cette maladie? C'est encore une fois non, parce qu'en fait, ça va dépendre notamment du mode de vie de la personne, un mode de vie sédentaire, un mode de vie où on va consommer de la nourriture grasse, fumer par exemple, ça va augmenter le risque de cette maladie-là. Et puis on sait que ces comportements-là, ils sont liés à des facteurs souvent socio-économiques. Par contre, il y a aussi des points génétiques qui vont entrer là-dedans. La dégénérescence liée à l'âge, ça va être une dégénérescence qui va se situer au fond de notre rétine. Et la couleur de nos yeux, elle n'est pas exactement la même selon notre couleur de peau. Et on remarque que les personnes qui ont une couleur de peau plus foncée sont naturellement plus protégées face à ce type de maladie. Et les personnes, par contre, aux couleurs de peau les plus claires, qui vont peut-être exposer plus longtemps au soleil, seraient plus liées à ça. Donc on peut penser par exemple aux populations qui sont en Australie, elles peuvent être particulièrement des personnes de peau claire qui sont exposées au soleil, plus à risque que d'autres personnes. Une dernière question. Moi c'est Ludmilla, j'ai une question. Présentement pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on fait des injections à chaque mois pour les personnes qui en souffrent. Mais est-ce qu'avec votre projet de recherche, vous visez à prévenir ou à plus offrir un nouveau traitement? Alors, merci pour votre question, c'est très intéressant. Effectivement, en fait, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a deux formes. Il y a une forme qui est appelée néovasculaire, dans laquelle il va y avoir des nouveaux vaisseaux qui vont croître. Et cette forme-là, on peut relativement bien la traiter avec des injections. Ça s'appelle des anti-VEGF. C'est une drogue qui va empêcher la formation des nouveaux vaisseaux. Il y a également une autre forme de la maladie qui s'appelle la DMLA sèche, dans laquelle il va y avoir une dégénérescence de nos photorécepteurs qui sont capables de visualiser la lumière sans qu'il y ait de prolifération de néovaisseaux. Et donc, dans ce type de maladie-là, injecter des anti-VEGF, ça ne sert à rien. Donc, nous, d'une part, on voudrait bien traiter en prévention la forme néovasculaire, mais notre mécanisme permettrait aussi de prévenir le développement de la forme non néovasculaire pour laquelle il existe actuellement aucun traitement. Merci beaucoup. Merci. On s'est permis quelques secondes de plus pour une question-réponse fort intéressante. Bon anniversaire en retard. Merci. Alors, nous allons maintenant accueillir Mme Mélanie Lebert, étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation. Le titre de sa présentation est « La physiothérapie à distance pour traiter l'incontinence urinaire ». Avez-vous ri aujourd'hui? Ou toussé, éternué, chanté ou parlé fort, sauté ou couru? Ou bien avez-vous mis vos mains sous de l'eau froide? Glissez votre clé dans la porte pour rentrer chez vous. Pour plusieurs femmes, toutes ces activités-là peuvent causer des fuites urinaires. Et après 65 ans, c'est jusqu'à une femme sur trois qui va avoir des fuites d'urine. Ça représente beaucoup de Québécoises qui risquent d'avoir à faire face à de l'incontinence urinaire au cours de leur vie. Cependant, même si elles sont fréquentes, ces fuites-là sont ni inévitables ni irréversibles. Pour les réduire efficacement, la physiothérapie du plancher pelvien est aujourd'hui le traitement recommandé en première ligne. Par contre, c'est encore un petit peu difficile d'y avoir accès pour le moment. Une solution qui a été proposée, c'est que les physiothérapeutes offrent des traitements à des groupes pour rejoindre un plus grand nombre de femmes à la fois. Les traitements en groupe
ont aussi d'autres avantages, comme le développement d'un réseau de support, le maintien de la motivation, des éléments clés pour une pratique régulière d'exercice en physiothérapie. En pandémie, par contre, on a été obligé de se réinventer. Dans ma thèse, j'étudie donc une solution un peu modifiée avec des traitements de groupe, comme proposé précédemment, mais convertie pour être offerte par visioconférence. Dans les prochains mois, on sera donc en mesure de dire si le traitement à distance est faisable et acceptable, donc s'il représente une option qui correspond bien aux besoins des femmes âgées et des physiothérapeutes, et aussi s'il reste efficace pour réduire et traiter les fuites urinaires. Si le traitement à distance coche toutes ces cases-là, il va pouvoir éventuellement être offert à toutes les femmes pour qui la visioconférence serait avantageuse, donc celles qui doivent ou souhaitent éviter les rassemblements, mais aussi celles qui vivent dans des régions plus éloignées, pour que ce soit 3 femmes sur 3 qui puissent rire et chanter, sauter et courir, en ville ou en campagne, en temps de pandémie, mais aussi au-delà. Merci. Merci, Mme Levert. Alors, quelques questions pour elle. Merci. Écoutez, ma question est simple. Vous laissez entendre que c'est à l'étude pour voir si ça va être faisable et tout ça. Donc, vous avez des groupes tests qui sont en cours. Vous êtes en train de le tester. De quelle manière exactement? Donc, en fait, on a déjà terminé les classes. Donc, c'est des programmes de 12 semaines avec des classes de 7 à une dizaine de femmes environ qui se réunissaient chaque semaine sur Zoom pour faire les exercices ensemble. Au préalable, elles avaient été évaluées en individuel par une physiothérapeute de leur région. Donc, ça demandait une seule séance en personne pour ensuite recevoir le traitement à distance de chez elles. Donc, on regarde différents indices de faisabilité dans le sens où est-ce qu'elles assistaient aux séances, est-ce qu'elles faisaient les exercices à la maison, est-ce qu'il y avait de la satisfaction associée à ça. Puis, du côté aussi des physiothérapeutes, on a fait des entrevues, voir est-ce que ça semble faisable, est-ce que c'est une charge de travail qui est trop difficile à assumer, de gérer la technologie en même temps que les aspects cliniques. Fait que c'est les aspects de faisabilité dans ce sens-là qu'on regarde. On est en train d'analyser ça. Merci, Mélanie. Petite question peut-être sur le concret. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le genre d'exercice qu'on peut faire en téléphysio pour traiter l'incontinence urinaire? C'est sûr que pour répondre à cette question-là, je vais revenir à l'évaluation qui est faite en personne parce que c'est le moment où on va vraiment voir si la candidate est éligible à recevoir un traitement à distance comme à recevoir des traitements en groupe parce qu'il faut qu'elle soit en mesure de faire la contraction qui est demandée dans les programmes d'exercice. Donc, c'est le moment où on s'assure par palpation que la contraction est adéquate. Donc, c'est un mouvement qui est assez précis puis qui est peut-être moins explicite que quand on fait une contraction du biceps, si on peut observer le mouvement. Là, c'est un petit peu plus difficile, il n'est pas visible. Donc, on a certains trucs pour essayer de faire une rétroaction, de l'observer, mais sinon, c'est plus par palpation que la physiothérapeute va confirmer c'est le bon mouvement, on est en mesure de le faire. C'est ce mouvement-là qu'il faut faire pendant les exercices. Donc, on va avoir différents exercices qui vont viser plus la force maximale, l'endurance, la coordination, donc avoir des contractions qui sont plus rapides pour contracter au bon moment quand il y a une toux, par exemple, ou faire le conjuguer avec un mouvement, parce que souvent, c'est en se déplaçant ou en faisant des activités physiques que ça va survenir. Donc, c'est un programme assez complet, mais tout va vraiment partir de la maîtrise de cette contraction-là. Est-ce que vous allez cueillir des datas sur les participants? Parce qu'on sait bien que plusieurs grossesses, la ménopause ou d'autres choses ont une incidence sur la santé pelvienne des femmes. Oui, on va regarder un peu, décrire le profil des participants. Mais pour répondre plus précisément à cette question-là, il y a peut-être un autre projet qui est en ce moment en cours au laboratoire où je fais mon doctorat, qui serait davantage en mesure de répondre plus précisément puisqu'il y a une règle de prédiction clinique qui est en cours en ce moment qui se fait sur le programme en personne, mais on s'entend c'est quand même sur les mêmes exercices qu'on évalue ça. Et ils vont regarder en fait les différents critères qui vont donner des profils différents pour les résultats ensuite à la fin du programme d'exercice. Donc effectivement, là, on va regarder les différentes comorbidités, les différents antécédents gynécologiques et tout ça pour voir à quels effets on peut s'attendre, en fait. Merci beaucoup, Mme Levert. Fort intéressant. Merci.
Notre prochain présentateur est M. Émile Lheureux-Hubert, étudiant à la maîtrise en immunologie recherche clinique. Le titre de sa présentation est « Maladie auto-immune chronique gastro-intestinale, un univers de recherche d'importance croissante ». Bonjour. Alors, ça marche bien? Okay. Oh, super, désolé. Bonjour, donc moi je m'appelle Émile Lheureux-Hubert. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet que je fais sur l'œsophagite à éosinophile au CHU Sainte-Justine. L'œsophagite à éosinophile pédiatrique. 5 enfants sur 10 000 vont vivre avec une œsophagite à éosinophile. C'est une maladie presque handicapante qui, due à une inflammation de la gorge, va causer des vomissements, des mal de ventre et parfois mener à la malnutrition. Et donc une grande perte de la qualité de vie pour ces enfants. Donc notre projet a pour but d'évaluer les décisions thérapeutiques qui sont prises pour essayer de raffiner le choix et limiter l'errance thérapeutique et augmenter la qualité de vie de ces enfants. On se base sur une approche où on suit une cohorte de 150 enfants de façon prospective, avec des questionnaires auto-administrés pour évaluer la sévérité de leurs symptômes, leur qualité de vie et leur observance thérapeutique. Avec cette approche, on veut évaluer un lien potentiel entre la sévérité au diagnostic de la maladie et l'efficacité des différents traitements qui sont utilisés. En faisant ce lien, on espère pouvoir faciliter le choix pour personnaliser le traitement, puis augmenter cette qualité de vie de ces enfants pour vraiment les limiter ce temps d'attente avant la sélection d'un traitement qui les aide. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, peut-être que nos membres du jury ont des questions pour vous. Monsieur Morin. Mais merci. Écoutez, quand j'ai lu votre communiqué de presse, je trouvais ça intéressant, mais j'étais un peu surpris de voir que c'était comme pas d'office, qu'il y avait un suivi pour décider du traitement et tout ça. Tu sais, je sais que c'est rare quand même, 5 personnes sur 10 000, mais oui. Sur 7 millions de personnes, c'est pas si rare que ça. Donc, je trouvais ça curieux que c'était pas déjà un processus qui était en place. Donc. C'est qu'il y a 3 traitements possibles. Il y a comme une diète, des pilules et comme une pâte qui couvre l'œsophage. Et ces traitements, parfois, ne fonctionnent pas, certains d'entre eux, mais certains fonctionnent bien. Parfois, la diète, il y a un manque d'observance, c'est très dur, puis ça limite beaucoup la qualité de vie, donc ça marche mal. Donc, il y a besoin comme d'un... En ce moment, les choix, ils sont faits par la famille et le médecin ensemble, et on voudrait comme apporter des chiffres et des statistiques pour faire des recommandations plus... Donc, c'est ça ma question. Il n'y avait absolument rien sur ce... Non. En tout cas, à Sainte-Justine, en ce moment, parfait, les choix sont parfaits. C'est super intéressant. Donc, merci. Merci pour ça. Bonjour. Oui. Une petite question. Est-ce que cette maladie auto-immune est plus présente au Canada ou en Amérique du Nord comparée aux autres maladies dans le monde? C'est une bonne question. Et oui, c'est en monde d'incidence. Plus particulièrement dans les pays développés comme le Canada et les États-Unis. Ouais. Une sous-question. Est-ce que vous diriez que les maladies auto-immunes sont plus présentes justement dans les pays développés que le sud global, comme on appelle? Oui, je dirais que oui. Plusieurs maladies auto-immunes sont en augmentation dans les pays développés. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Monsieur Lheureux-Hubert. Et nous arrivons avec notre dernier candidat pour le défi valorisation. Il s'agit de M. Erwan Goy, postdoctorant en biologie moléculaire. Le titre de sa présentation est « Exploiter le vieillissement cellulaire contre le cancer de l'ovaire ». Donc, bonjour à tous.
Donc, je suis Erwan Gua, postdoctorant dans l'équipe de Francis Rodier au CHU. Et donc, nous développons une nouvelle stratégie contre le cancer de l'ovaire, la stratégie One Two Punch. Donc, en 2023, la Société canadienne du cancer estime que 3000 femmes seront touchées par le cancer de l'ovaire et parmi celles-ci, 1950 en mourront. Et cette mort est due à la résistance aux thérapies conventionnelles. Il est donc important et urgent de développer des nouvelles thérapies contre le cancer de l'ovaire. À l'heure actuelle, nous savons que les thérapies conventionnelles vont induire des dommages cellulaires, comme on peut le voir ici, des dommages au niveau de l'ADN, où on peut colorer l'ADN en bleu, et tous les petits points verts, ce sont des dommages de l'ADN. Ces dommages cellulaires vont induire un vieillissement prématuré, et ces cellules vieilles, prématurées et endommagées ne vont pas mourir, et pourraient être la cause de la résistance. Dans notre équipe, nous développons la stratégie One Two Punch, qui consiste à induire un vieillissement prématuré avec une thérapie conventionnelle comme précédemment, c'est le premier punch. Puis, on va cibler les cellules vieilles prématurées avec des molécules spéciales. C'est le deuxième punch qui devrait conduire à la guérison. Et donc, nos travaux ont permis de commencer un premier essai clinique qui vient juste de débuter. On vient de recruter 2 patientes. Et nous sommes actuellement en train de améliorer notre modèle afin de pouvoir le transférer dans d'autres types de cancers. Donc, merci de votre attention. Merci, M. Goy, présentation punchée. Alors, des questions pour vous, les membres du jury? Là, je vais m'avancer parce que je ne suis pas du tout experte là-dedans. Mais c'est quoi le pourcentage de succès par rapport à cette thérapie One Two Punch? Parce que c'est quand même des risques qui sont pris de faire vieillir certaines cellules, puis après essayer de les faire réagir de manière à ce qu'on puisse guérir une maladie. Ben justement, le succès, on ne le sait pas, c'est pour ça qu'on fait un essai clinique. Mais le vieillissement prématuré, en fait, c'est quelque chose qui va se passer de toute façon. C'est-à-dire que lorsque les cellules vont... Normalement, une thérapie conventionnelle, le but, c'est d'induire des dommages pour que les cellules ensuite meurent et la tumeur régresse. Mais en fait, les cellules, elles vont résister en devenant vieilles prématurément. Et donc, c'est quelque chose qui va se passer. Et donc, nous, on veut contrecarrer ce mécanisme de résistance en appliquant un deuxième punch qui va éliminer ces cellules résistantes. Excellent, excellente présentation. Donc, je vois bien que le cancer de l'ovaire que vous étudiez, c'est un cancer où le taux de mortalité est très élevé. Donc, on est à peu près à 2/3 des personnes. Est-ce que c'est la raison qui vous a amené à choisir ce type de cancer-là dans vos expérimentations ou il y a d'autres raisons médicales et scientifiques pour le choix de ce cancer-là? Alors, c'est en effet la principale raison parce que on va essayer de développer de nouvelles stratégies pour où les stratégies conventionnelles ne marchent pas. Si ça marche, on fait ce qui marche. C'est plutôt logique. Après, on s'est intéressé à ce cancer-là parce que au CHUM, il y a une forte équipe experte dans le cancer de l'ovaire. Et donc, du coup, on a des collaborations avec des équipes cliniques qui ont une expertise dans le cancer de l'ovaire. Donc, pour nous, c'est très simple de travailler sur ce modèle. Je voulais juste comprendre, vous utilisez la chimiothérapie classique, ça c'est One Punch, c'est la première thérapie, et par la suite, c'est un traitement sénolytique. Ça, c'est un médicament, comment vous l'utilisez? C'est quoi exactement? C'est un produit cellulaire? Le sénolytique, oui, c'est un médicament. Pour entrer un peu plus dans le détail, donc c'est un médicament. En fait, les cellules vieilles, pour résister, elles vont surexprimer une protéine particulière. Et en fait, les sénolytiques, c'est des inhibiteurs de cette protéine. Et donc, comme les cellules vont plus, comme cette protéine ne va plus marcher dans ces cellules-là, les cellules vont mourir. Mais c'est un médicament, c'est des cellules qu'on comprend. Donc, merci.
Et ça me fait penser, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser seulement le deuxième punch? Est-ce que le deuxième punch fonctionne seulement s'il y a eu la première étape qui est la chimio? Si, en fait, s'il n'y a pas eu la première étape, les cellules ne vont pas être vieilles et donc le premier punch ne va pas marcher. Ça, c'est quelque chose qu'on observe, nous, dans nos modèles cellulaires et in vivo. S'il n'y a pas de premier punch, les cellules... Et c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que on va diminuer aussi les effets secondaires. Si notre deuxième punch élimine sans le premier punch, c'est-à-dire que potentiellement, il va avoir beaucoup d'effets secondaires parce qu'il peut cibler d'autres cibles. Et donc, le fait qu'il y a besoin d'un premier punch, c'est plutôt rassurant. Alors, merci beaucoup, M. Goy, d'avoir la présentation et les réponses aux questions. Alors, ceci termine déjà les présentations pour le défi valorisation de la compétition interne du concours Sciences Pop. Bravo à nos 5 candidates et candidats. Bravo à nos membres du jury et à leurs questions percutantes. Alors, membres du public, je vous invite maintenant à voter en ligne pour la personne qui a, selon vous, le mieux relevé le défi de valorisation pour la présentation et aussi pour les réponses aux questions. Alors, vous pouvez utiliser le code QR qui apparaît à l'écran. Alors, je vous rappelle que le prix du public, là, sera attribué à la personne qui aura obtenu le plus de votes. Vous avez 5 minutes pour voter et il ne peut y avoir qu'un vote par personne. Alors, la diffusion en direct prendra fin dans quelques instants. Les résultats du concours, incluant le prix du public, seront annoncés cet après-midi sur la page Facebook des saisons des ESP. Alors, un grand merci pour votre présence, les personnes qui sont à distance. Merci également aux personnes qui sont avec nous sur place. Vous êtes cordialement invités à revenir pour l'annonce des résultats et prendre part à un cocktail à 16h15 dans le hall d'honneur juste à côté. Au plaisir de vous y retrouver. J'invite maintenant le jury à rester dans la salle pour la délibération.